Laconi face à Tozland, c'est l'affiche de la 8e manche du championnat du monde Superbike. Après Silverstone, pour la 2e fois de la saison, on est en Angleterre, cette fois près de Londres, sur le fameux circuit de Brands Hatch. C'est le Britannique James Tozland qui arrive chez lui en tête du classement. Il devance Régis Laconi, qui est son coéquipier de l'équipe Ducati officielle, et l'Australien Chris Vermeulen sur Honda. Âgé de 23 ans, James Tozland habite dans le Yorkshire, près de Rocha Bay. Il est passionné de musique, chante et joue également du piano depuis sa tendre enfance. C'est d'ailleurs ce piano de concert que lui a offert le patron de chez HM Plant l'an passé pour le récompenser de sa première victoire en Mondial Superbike à Oschersleben. Tozland débute en Mondial Supersport en 1998 chez Honda Castrol, un championnat qu'il terminera à la 18e position. Seulement 6e et battu par Laconi lors de la première manche Superbike 2003, James Tozland avait ensuite pris sa revanche à la 2e course, décrochant le podium loin devant le Français, seulement 8e. Le pilote de Sheffield sait qu'il peut compter sur le soutien inconditionnel de ses nombreux supporters pour battre Laconi, mais il est conscient que ça va être très dur. It's going to be close. Ouais, ça sera serré. Régis roule très bien. J'attends avec impatience Brands Hatch. C'est un de mes circuits favoris, évidemment. C'est mon circuit national. Je m'attends donc à faire une très bonne performance. Pourquoi c'est particulier, Brands Hatch? Eh bien, il y a beaucoup de public et il est très proche. Il y a eu 123 000 personnes l'an dernier. J'espère que ce sera la même chose cette année. Les gens sont si proches que cela rend la piste électrique. C'est un des meilleurs rendez-vous pour nous. C'est pour ça que c'est important pour vous le soutien de tous vos fans anglais. C'est comme celui des Australiens à Phillip Island. Ah, bien sûr, partout où nous allons, il y a toujours un pilote national. Et le support du public est très important. Ça te pousse à aller plus vite et à faire mieux. Tu es toujours à 100%, mais tu cherches toujours à faire mieux devant ton public et ton pays. Vous avez de bons souvenirs de Brands Hatch? Oui, nous avons fait de bons résultats l'année dernière. J'ai terminé 3e et 5e. C'était bien d'être sur le podium, mais j'aimerais bien gagner en Angleterre. Vous allez vous battre avec Régis Laconi, les Anglais vont adorer si vous le dominez. Ah, c'est sûr, la bataille entre les Anglais et les Français, vous savez, c'est quelque chose de très fort. J'espère être devant les Français, surtout en Angleterre. Expliquez-moi pourquoi c'est aussi important pour un Anglais de battre un Français, surtout en Angleterre. Pourquoi vous y prenez plus de plaisir qu'à battre des Italiens ou des Espagnols? Ah, je ne sais pas, je pense que c'est comme une sorte d'ancienne religion. Nous devons être si forts. Il y a une grosse rivalité en rugby, en tennis et maintenant aussi en moto avec Régis et moi. Pour le moment, nous sommes devant les Français et j'espère qu'on va continuer. En 2003, les pilotes britanniques avaient trusté les deux podiums Superbike de Brands Hatch. Régis Laconi, lui, s'était contenté d'une 4e et d'une 8e place. Cette année, le Meusien doit faire mieux. Il doit s'imposer en Angleterre pour marquer moralement son rival. Grand adepte du trial, le Français espère que son expérience de pilote d'usine chez Aprilia sera un plus dans sa lutte face à un coéquipier moins chevronné. En 2003, sur une Ducati privée, Laconi termine 4e du championnat, juste derrière Tozland. Pour le Français, la saison 2004 a très mal débuté fin février à Valence avec deux résultats blancs, dont cette chute. Malgré ses erreurs, Laconi est le pilote qui compte le plus de victoires cette saison, 5 au total.
comme ses copains du Supersport, il s'est juré de faire retentir la Marseillaise à Brandzach. Bah, j'espère en tout cas, c'est vrai que c'est un circuit que j'aime beaucoup, par le fait qu'il soit quand même très vallonné et avec quand même des virages qui sont plutôt assez gros cœur, avec des courbes très rapides. Et c'est vraiment un circuit que j'aime beaucoup, j'ai toujours dans l'ensemble fait des bons résultats, donc j'espère qu'en tout cas ça sera mon jardin. Ouais. C'est le jardin de Chambon déjà en tout cas. Ah bah c'est déjà pas mal, donc c'est déjà un peu bleu-blanc-rouge, donc on continuera et j'espère que ce sera le mien aussi. Bleu-blanc-rouge, vous comptez battre un Anglais chez lui devant son public ? Ah bah en tout cas j'espère bien, ouais. Je dirais que bon, il n'y a pas de raison, à part que tout le public sera là entre guillemets plus pour le soutenir lui que moi, mais bon, des fois ça motive encore plus. Comment faire pour battre Tosland ? On verra, de toute façon je pense que rien n'est impossible, et des fois c'est vrai qu'on a de la pression supplémentaire sur son circuit et tout ça, ce qui n'est pas toujours positif, donc je dirais qu'en tout cas je pense que pour battre Tosland il suffira que je sois moi-même comme je suis en ce moment, avec voilà, en pleine forme et bien dans ma tête, et me régaler comme je me régale avec cette Ducati, et je pense que c'est la solution idéale. Vous avez eu des coéquipiers australiens, ça se passe comment avec un British, avec un vrai Anglais? Ah là c'est un vrai Anglais, c'est sûr que non, mais ça se passe bien dans l'ensemble, il n'y a aucun problème. Bon, c'est vrai que il n'y a pas des grandes communications, hein, on partira pas en vacances ensemble, ça c'est clair. Donc mais je dirais que ça se passe très bien, il n'y a pas de problème. Donc en tout cas c'est important comme ça. À Brandzach, Stéphane Chambon a tout connu. 3 victoires, mais aussi un stop and go pour départ volé, une chute en tête de la course et même une casse mécanique rarissime chez Alstar qui lui a coûté son 2e titre de champion du monde. Le petit jockey du Vaucluse attend ce rendez-vous anglais avec impatience. Je pense que c'est un circuit un peu à gros cœur et beaucoup de virages aveugles. Et je dois apprécier ça parce que c'est vrai que ça fait 3 fois que je gagne à Brandzach. J'aurais pu gagner encore une ou deux fois si un coup je n'étais pas tombé, surtout une année stop and go. Et ce que j'espère, c'est que je serai encore au rendez-vous cette année. Vous avez gagné en plus sur 2 machines différentes là-bas. C'est vrai que ma première année chez Alstar, j'ai gagné avec la Ducati. Après, le team est passé Suzuki depuis 1998. Et j'ai regagné une année avec la Suzuki. Alors décrivez-nous ce circuit. Ben comme je disais, c'est un circuit avec beaucoup de dénivelé, où il y a beaucoup de descentes, de montées. Même la ligne droite, elle est carrément tout en dévers. Et surtout, beaucoup de virages aveugles, et ce qui fait qu'il y a des grosses sensations au niveau du pilotage. Et je pense que je dois aimer ce style de sensations, puisque c'est vrai que je roule très bien là-bas. Un jour, vous avez fait un drôle de cadeau à James Tosland en Supersport. Ben justement, l'année où j'ai pris un stop and go, j'étais en tête, il a fallu que je rentre au box, c'était la première fois que ça m'arrivait et j'étais vraiment en colère, et puis je suis reparti.